Salut à tous les amis, c'est Vadim et aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans. C'est incroyable, vous avez fait un accueil exceptionnel à la vidéo d'entraînement que moi je pensais qu'il n'y aurait pas autant. Ici on va détruire le petit poteau, comment ça s'appelle? Poteau fantomatique, voilà, parce que c'est Halloween de toujours. Donc voilà, parce que bah effectivement Halloween normalement c'est le 31 si je ne me trompe pas, octobre. Si ma mémoire ne change pas, et d'ailleurs on peut mettre un ouvrier ici, apprenti, boum, pour faire tout ça extrêmement rapidement. Et aussi, l'ouvrier ici, il est assez énervant. Pourquoi est-ce qu'il est assez chiant? Où est-ce qu'il est mon... Je sais plus comment on peut l'améliorer. Mais bref, en gros, on peut l'améliorer vite fait. Je sais plus où c'est. Comment ça se fait? Ah, voilà. On peut l'améliorer, ça coûte 500 diamants. Et c'est genre un double de vitesse de travail. Donc, je sais pas trop. En gros, ça, à mon avis, au lieu... Parce que là, il me fait gagner une heure. Donc là, ça ferait gagner deux heures. Enfin, c'est pas le truc le plus intéressant, je trouve. Je trouve vraiment qu'il coûte trop cher pour ce que c'est. Souvenez-vous que ces ouvriers ici, eux, coûtaient 500 diamants. Gemmes. J'ai plus l'habitude. Gemmes. Voilà. Gemmes. 500 gemmes. C'est énorme. Donc ici, on va faire l'entraînement. Voilà. Pioup. On va continuer. J'ai un petit peu accéléré le tout, évidemment, pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Et on verra combien de temps ça prendra en vidéo. Mais je vais essayer de faire un petit montage, etc. Sympathique. Alors ici, je clique. Oui, c'est un propulseur d'air. D'accord. Ah, détruisez les défenses anti-aériennes grâce à des sorts de foudre. D'accord, j'en utilise 1, 2, 3, 4 et 5. Formidable. Maintenant, vous mettez le roi. Très bien, monsieur. Je mets le roi. Ensuite, vous devez mettre un petit dragon, un petit dragon. Très bien, monsieur. On écoute. Et ensuite, que faut-il faire? Mon roi est en mauvaise posture. Hein. mon roi, on s'en bat les couilles? D'accord. Ah oui, ici, on balance le tout. D'accord. Et on active le roi. Et on a encore un éclair. Il faut faire quoi avec? On s'en fiche? C'est moi qui gère? Bizarre, bizarre. Et là, du coup, on regarde la suite du Kumber. C'est drôle, il y a vraiment zéro tuto pour l'éclair. Donc, nous, on veut... Oh, le roi! Oh, mon roi! Mon bibou. Bon, en vrai, il est niveau 5. Ouais, il met vraiment tout bas niveau, en fait. Donc, on peut vraiment faire les titos quand on veut. Donc, ça, c'est vraiment, je vous recommande, parce que ça donne quand même des ressources. Ça n'est pas négligeable. Alors, ici, je vais quand même taper, parce que... Voilà. Et du coup, ici, il n'y a vraiment plus aucun danger. La tour sorcière, elle fait vraiment zéro dégâts. Hein. Après, je vois aussi à gauche qu'il y a le quitter le tutoriel, donc le tutoriel, donc on va faire, je vais cliquer dessus, ok, non, terminé, hop, donc normalement ça m'a donné les ressources, pioup, entraînement est fait, d'accord, et donc on a récupéré toutes les ressources, on recontinue, et donc là par exemple je vais faire quitter le tutoriel, oui, je veux commencer sans aucune aide, incroyable, donc on peut vraiment, donc là ça va être un petit peu plus tendu, les amis. Ok. Normalement, ça devrait le faire, en vrai, vu les cochons. Donc, j'ai un peu balancé là-dessus. J'ai un peu balancé là-dessus. Là-dessus. Normalement, ça devrait un peu le faire, en vrai. Alors, je suis un peu con, parce qu'il faut mettre des soins. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Hop. Et là, je mets des petits sorciers tout là-haut. Est-ce que ça le fait? Je ne sais pas. Normalement, ça devrait le faire. Oh, l'exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que je suis fort, bordel. Sans le tuto. Qui a besoin de tuto? Pas moi. En vrai, je sais pas ce que demandait le tuto, mais moi, je le fais sans tuto. Let's go. Ah oui. Oh, le chevaucheur qui défonce le roi. Le roi, il n'y a pas de roi. Moi, je connais pas le roi. Ce qui est dommage, c'est par contre qu'on détruit un truc d'élixir noir et qu'on reçoit zéro élixir noir. C'est un peu nul. Voilà, et maintenant, bah, c'est les petits détails ici, c'est déjà moins intéressant, évidemment. C'est drôle, les mini-barbares, ils ont encore la rage. Ah, là, ils l'ont plus. Pile quand je sais, ils l'ont plus. Rentrer. Ok, donc on peut vraiment quitter le tutoriel à tout moment. Je sais pas si ça vous intéresse plutôt quoi, en fait, que je le fasse, le tutoriel comme c'est indiqué, ou que je fasse à ma manière. Donc, par exemple, ici, qui me dit « touche ». De nouveau le propulseur, pourquoi? Et là il me dit donc d'envoyer 15 et là on le voit tout le reste, voilà. Je sais pas si c'est ça qui vous intéresse ou ne peut plus. Ah, ici par contre c'est les bons vieux sorts d'orage, miam miam miam, je les kiffe.
Très bien. Et là, il me dit, envoie toutes tes gargouilles, mec. Hop là, toutes les gargouilles ont été envoyées. Normalement, ça va aller assez rapidement. Ici, d'accord, petite rage. Pioup. Oh oui. Oh, comment c'est rapide la rage. Ça, quel plaisir. Et il faut activer la capacité. Pardon, monsieur, j'ai oublié. Normalement, elle s'active automatiquement. Hein. Si vous l'oubliez, là, ils ont fait un nouveau truc. Enfin, nouveau, ça date en vrai. Mais le fait de pouvoir activer la capacité alors que vous l'avez oublié, je trouve ça, c'est très très malin de leur part. Donc, il y a vraiment eu pas mal de changements si vous avez arrêté le jeu et que vous recommencez maintenant. Ça, vraiment, il y a eu pas mal de changements en vrai. Voilà, là où Boom Beach, il n'y a pas trop de changements, quoi. Ok, allez, 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 allez. La fin est toujours moins intéressante. Bon, là, il me dit, vous voulez continuer avec sans les instructions. Bof, bof, hein. Ok, j'en ai encore combien en vrai à faire? Oh, il y en a quelques-uns en vrai. Ouf. J'ai encore faire le 8 et le 9. Comme ça, on regarde un petit peu. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il nous conseille en vrai. Donc, s'il nous dit, voilà, faites le séisme. Piou. Et là, mettez... Oh, oui, les P.K. Oh, je les adore, les P.K. Oh, ça, c'est mes troupes. 1, 2, 1. Ah, il n'y en avait qu'un qui était indiqué. J'en ai mis deux, pardon. Ok. Oui, là, c'est logique. Donc, on met le golem, en fait, donc, pour attirer l'attention. Et ensuite, évidemment, il faut mettre nos amis. Comment on appelle les sapeurs. Voilà, qui vont détruire tout simplement les murailles. Et donc, ensuite, on met, donc, comme vous avez pu le voir, le PK. Pourquoi? Pour détruire tout ce qui est défense. Parce que le golem, malheureusement, ne fait pas beaucoup de dégâts. Il a beaucoup de points de vie, mais il ne fait vraiment aucun dégât. C'est vraiment son défaut. Là, il a pas à prendre. Il a très très bien encaissé le golem en vrai. Ça, c'est vraiment dingue. Et du coup, ici, tu me recommandes plus rien. Un enfoiré. Par contre, ici, les deux petites cabanes, toujours faire ça, les amis. Ça, c'est la base. Et ici, on va balancer deux sorciers en plus. Il m'a pas dit de le faire. En fait, il y a quand même le tuto laisse un peu gérer vite fait. Mais à mon avis, si même si vous êtes nul, potentiellement, si vous suivez tout ce qu'a fait le tuto, vous gagnez de toute manière. Voilà, même si vous n'envoyez plus rien après. J'ai un doute, mais peut-être. Peut-être est-ce le cas, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ok, là j'ai un petit peu accéléré quand même. Hop là. Oh, c'est trop mignon la petite archère en vert. Trop mignon. Mais on peut vraiment zoomer de fou. Hein. Ça, c'est un truc de malade. Le zoom, il est dingue. Alors, on voit des barbares un petit peu plus améliorés. Parce que mon roi des barbares est niveau 10 ici. Voilà. Annulé. Je n'ai pas envie, je veux juste quitter. Oh merde. Non, j'ai cliqué sur... Ouais, c'est bon, j'ai bien cliqué. J'ai eu un doute. Mais j'ai bien cliqué. Ah oui, il y a aussi un truc qui est fun. Je voulais vous montrer ça aussi. C'est le petit bonhomme ici. Voilà, ça c'est un truc qu'il n'y avait pas avant. J'ai cliqué pour améliorer en fait donc ma Tesla au niveau 8. Et c'est pas un ouvrier en fait qui taffe, c'est une sorte de petit robot. Voilà, c'est drôle je trouve. Voilà, petite info voilà, pour ce qui se passe sur la base ouvrier. Donc j'ai décidé de l'améliorer. Trouvé trop mignon. Ok, pioup. Et on va faire un petit combat. Donc c'est niveau 8. Quoi, toujours? Ah, on a deux pour le niveau 8. Dinguerie. Ok, et on a deux entraînements pour le niveau 8. 1, 2, 3, 4. Boum, 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 boum. Et là, il nous dit petit chevaucheur qui court, qui court, qui court. Ah oui, pour activer le clan. Ah, c'est un tuto clan, c'est cool ça. Et ici, oui, ça c'est pour la cabane. Et on attire le clan également. Là, normalement, ça va être sorcier. Frérot, elle va mourir. C'était l'objectif. Très bien. Vous mettez. Ah, ok. Oh, c'est pas con. Ah oui, mais du coup, ils vont s'éloigner. Oh, c'est intelligent quand même comme IA. Dinguerie. Mais du coup, là, le poison, il sert à quoi? Parce que, ah oui, en vrai, normalement, il ralentit. Hein. Et il a failli me tuer, mais... Oh, les Valkyries, je les aime. Et là, on a tout mis, quasiment. Il manque un sort de soin. Et voilà, c'est fait. Ok. En vrai, c'est dingue, comme c'était vraiment très pixel... Le fait que les sorciers n'aient aucun dégât de la part des ballons qui sont arrivés en renfort. Dinguerie. Mais c'est une bonne défense en vrai, les ballons aussi. Hein. Moins que l'électro-dragon que j'ai maintenant. Enfin, qu'on voit maintenant en adversaire. C'est horrible. Ah, et quand il y avait les ballons en défense, quel bonheur c'était, les amis. Ah là là, finalement. Quel bonheur c'était. Et ici, par contre, on a enfin de l'élixir noir. Donc ça fait quand même un petit plaisir.
Et donc, si vous l'avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi, mon roi, il est passé niveau 40, qui est le niveau max pour mon HDV. Voilà. Et ma reine des archères, bientôt niveau 40 aussi, elle est 39. Quand elle méritera, elle passera niveau 40. Mais c'est vrai que c'est dingue, les Valkyries, punaise. Pourquoi je les utilise pas autant, moi? Après, là, c'est HDV 9 ou 8, je sais plus. Je crois que c'est 8. Est-ce que je suis en retard si je les utilise? Peut-être. Peut-être bien. Et j'ai même pas activé la capacité. Non, 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 non. C'est bon, terminé. Ok, c'est vrai que c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas pourquoi, parce que je ne l'ai jamais joué. Et vous voyez, je suis à 4 millions. J'ai déjà gagné 1 million comparé au début de vidéo. Donc c'est un truc que je vais vraiment recommander. N'hésitez pas à vraiment faire tout ça. Et si pareil, oh, pour le HDV 9, on en a 3 carrément. Le HDV 10, on a fait 1. Et il nous manque l'autre. Eh bien écoutez, on va faire l'autre de l'HDV 10. Comme ça, il nous restera les 3 de l'HDV 9. Et l'HDV 10, bah hop. Comme ça, on fait tout l'HDV 9 d'un coup. Et là, hop, ok. Donc là, de nouveau, on va un petit peu voir comment il nous recommande. Mais c'est plus ou moins pareil. C'est de nouveau, il nous dit Archer plus... derrière, on la soigne. Alors par contre, là, elle est 40, alors que moi, elle est 39. Elle a gagné un niveau, ici. Donc c'est vraiment les troupes max de l'HDV, de l'HDV 10. Hein, que j'ai actuellement, moi. Mais je n'ai pas les troupes max. Pas encore toutes. Ok. Et donc là, c'est drôle, comme quoi, ils nous disent vraiment, utiliser. Donc, hop. On met le petit spur. Allez, fais la bombe. Piou. Ah, c'est raté. C'est un échec complet. Tu m'as recommandé... Oui, en fait... Ah, d'accord. En gros, là, ce qu'ils nous ont recommandé, pourquoi est-ce que... Par contre, débile d'avoir mis 3 sapeurs si 2 suffisaient pour détruire la grille. En gros, pourquoi est-ce qu'ils nous ont mis 1 d'abord? C'est pour déminer. Voilà. Ensuite, pourquoi les 3? Je ne sais pas. Là, par contre, la tour de l'enfer, elle va faire tellement mal. Pourquoi tu veux faire un poison? What the fuck? Je suis curieux, hein. Je suis curieux, je suis désolé. Ah ouais? Ça touche les tours, le poison? Ah, je me souviens pas de ça. Et l'info de fou. Ah, par contre, là, scripté de fou. Ah, par contre, what the fuck. D'où le poison. C'est bien le poison. Bizarre. Je vais aller googler. Enfin, je vais aller regarder après. Googler, n'importe quoi. Je vais aller regarder la description du truc. Pour voir vraiment en quoi est-ce qu'il consiste ce petit truc très bizarre. De sort. Parce que moi, il me semblait que c'était tuer les troupes. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs employé. Juste avant, contre les ballons. Là, c'est très très bizarre. Et là, punaise, je dois rien faire. Non, mais l'archère va tout faire à ta place. Le temps n'est pas limité, en fait, à la base. Hein. Ici, j'ai l'impression que c'est l'air un petit peu, hein, vu que c'est le tuto. Il est en mode, mon bel écoute du temps. Oh, la file. Ouais, c'est un peu un fini niveau temps, donc ça, c'est un peu dommage. 1-1. Tu vas encore me dire 1-1 ailleurs, non? Oh là là, moi, je vais regarder ça, je vais regarder ça. Oh là là, tu m'empêches de jouer. Voilà, regardons comment ça se passe. Et un petit roi, d'accord. Oh là là. Voilà, on voit les petits, on les voit les petits. Alors tu vas me reconnaître d'utiliser un sort ou pas, ou tu t'en fiches? Je veux dire que là tu t'en fiches, hein. Donc je vais un petit peu moi-même le faire. Oh là là, c'est incroyable. Et là je vais mettre mon petit soin. Parce qu'il n'y a pas de recommandation. Donc moi je mets le soin. Incroyable. Qu'est-ce que c'est génial quand même. Par contre, je suis assez moyen confiant, moi, personnellement, d'utiliser vraiment tous les mineurs. Pas sûr que ça fonctionne réellement bien. Bon, on va un petit peu les mettre là. Hop là. Petit soin, petit soin. En tout cas, ça a l'air de vraiment fonctionner, le truc guérisseuse plus reine des archers. C'est un truc de fou comme ça fonctionne. Hein. Une dinguerie. Il la soigne, il s'en fiche. Ça soigne, ça soigne. Oh. Ouais, enfin, ça soigne tant qu'elles sont évidemment vivantes. Une fois que ça ne l'est plus, c'est un peu plus complexe. Et là, on peut activer notre capacité. Voilà, pioup. Où toutes sont invisibles. Il me semble que avant, il y a un moment, hein, évidemment, quand on mettait la capacité d'invisibilité, ce n'était pas appliqué aux troupes que l'on déploie. Donc là, on va faire terminer. Donc j'ai juste voir un petit peu la description du petit sort que l'on a ici. Normalement, ce sera indiqué. Donc c'est le petit sort ici, poison. Donc dégâts max par seconde, réduction de la vitesse des troupes. Mais oui, on voit que ça fait des dégâts aux troupes. Mais du coup, en fait, les dégâts qui sont effectués, à mon avis, ne sont pas que aux troupes. C'est des dégâts généraux, donc le sort fait des dégâts constants.
Donc, est-ce qu'on peut revoir? On peut revoir? J'ai pas l'impression que là, ça fait dégâts au bâtiment, par exemple. Hein. C'est lui qui va taper, ouais. C'est trop bizarre, là, par contre. Bizarre, le truc. Faudrait revoir l'entraînement, mais c'était spécial. C'était spécial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, regardez comme on a gagné des ressources. 4 millions, 4 millions, quasiment 5 millions ici. C'est une dinguerie. Voilà, et ici c'est ce que je vous avais dit, ma reine des archères qui est quasiment au niveau max, parce qu'après, regardez, je ne peux pas améliorer, il faut être HDV 11, et moi je suis 10. Voilà, merci à tous, c'était Vadim, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des vidéos. En tout cas là, je vous remercie pour votre actif, c'est dingue ce que j'étais pas du tout, je m'attendais pas du tout à un accueil à ce point-là, c'était vraiment le hasard en fait, ma vidéo précédente sur l'entraînement, je me suis dit, oh il n'y a pas eu de Clash Clans plus longtemps, là il y a eu un petit problème avec Bomb Beach que je n'arrête pas de faire, et du coup je me suis dit, bah go Clash of Clans. Et dinguerie. Donc là, c'est une vidéo bonus que vous n'étiez pas censé avoir celle-ci à la base, mais vu votre accueil, bah vu la réception plutôt de la vidéo et de, enfin, de tout en fait. Donc je suis très content parce que là, Bomb Beach pour le moment, ça va pas trop. Et je suis trop content. Merci à tous. Abonnez-vous, partagez, likez. Vous allez liker la dernière. Essayez de liker aussi celle-ci à fond, un max, un max, un max, un max. Voilà, c'était Vadim. Ciao, ciao. Portez-vous bien.